ce que nous allons entendre est terrifiant, fort et inquiétant, terrifiant et angoissant, les réactions étranges pouvant se sentir dans l'âme et dans l'esprit ainsi que dans la pensée. La description de l'enfer est inexplicable. La souffrance, la folie, la douleur, le cri d'agonie, de désespoir et de tourment qui jamais ne termineront. Nous connaîtrons le pouvoir des ténèbres. Là où il y a des grincements de dents, là où il y a le lac de feu et de chauffe, là où les vers ne meurent point et où le feu ne s'éteint point, l'enfer. Voyez ce que la légion de démons a demandé au Seigneur Jésus. Dans Luc 8, 31. Jésus, fils du Dieu très haut, que me veux-tu? Je t'implore, ne nous châtie pas. Quel est ton nom? Légion. Je t'implore, ne m'envoie pas en enfer. Permets-nous de rentrer là, dans les pourceaux. Les démons sortirent de l'homme, entrèrent dans les cochons, et le troupeau se précipita dans le lac du haut de l'escarpement et se noya. Qui seront les habitants de cet endroit si ténébreux? Tous ceux qui n'ont rien voulu savoir de Dieu, tous ceux qui n'ont pas voulu avoir un compromis avec Dieu. Psaume 9, verset 17. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Satan et ses anges. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. La bête et le faux prophète. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Les personnes qui ont commis des actes contre la parole de Dieu et qui ne se sont pas répentis. Pourquoi avez-vous poignardé les membres de votre famille? Et à quel moment tu as pensé à arrêter? Non, je les ai poignardés et je suis resté assis. J'ai cassé des voitures et j'ai insulté tout le monde dans l'immeuble. Après, je suis rentré à la maison et j'ai rempli un verre d'eau et je suis resté là. Et si vous voyez votre père face à face, qu'est-ce que vous lui direz? Je ne veux pas lui dire pardon, ni à mon père, ni à Dieu. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu, ce qui est la seconde mort.